Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue en ce lundi dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José, bon matin. Là, ce matin, là, on est totalement dans un sujet que les gens vont nous téléphoner, nous écrire pour dire « Mais vous l'avez déjà fait, le sujet! » Oui, on l'a fait. Bon, c'est-tu réglé? Pas besoin de l'écrire. Mais c'est un sujet qui devrait être fait une fois par trois mois. Ben oui. Bon. Maintenant, de quoi on va parler et qu'est-ce qui nous inspire? Et là, ben c'est une belle nouvelle, vous, dans votre mission, je dirais, Doc Mayou. Oui. Et c'est très, très, très spécial que le Canada ne soit pas encore là-dedans. Mais il y a un nouveau pays qui a décidé d'interdire la fessée aux enfants. Il s'agit de l'Écosse. Et je vais vous laisser expliquer, mais c'est vraiment spécial parce que les dirigeants sont allés à l'encontre de la volonté populaire. Écoutez, c'est vraiment interpellant. J'allais dire, c'est du jamais vu. Non. Mais dans un pays supposément démocratique, les députés sont complètement coupés du peuple, de ceux qu'ils représentent. Alors, la semaine dernière, mercredi ou jeudi, le Parlement écossais, à plus du deux tiers des députés, a voté une loi. Remarquez bien le chiffre, là. Plus des deux tiers des députés votent une loi qui a interdit la fessée à la maison. C'est ça qui est le point. Exactement. La fessée à la maison. C'est pas la petite tape. La fessée à la maison. Je répète. Maintenant, alors, un peu plus des deux tiers. Sondage dans le peuple, 57 % sont en faveur de donner la fessée à la maison aux enfants. Ils sont majoritaires. Ouais. La majorité de la population veut donner des fessées aux enfants. Deux tiers des députés leur disent « Non, c'est fini! » L'historique, très bref, Suède, oui. Premier pays à interdire la fessée, oui. 1979. En plein ça. Par la suite, tranquillement, pas vite, 50 pays dit civilisé, interdit la fessée. La France, début juillet, a voulu faire sa comique. A interdit la violence physique et psychologique. Aïe aïe. On ne sait pas trop où on s'en va avec ça. On va le voir éventuellement. Parce que là, compte tenu que c'est interdit, il y a... Mettez-vous dans votre pipe à hachiche ou à cocotte que là, il y a une gang d'enfants, une fois devenus adultes, 18-21, qui vont poursuivre leurs parents pour menace, pour violence psychologique. Attachez-vous au truc, là. C'est interdit. Moi, je vois tout de suite les poursuites devant les tribunaux. Et au Canada... On n'est pas dedans pantoute encore, là. Là, j'ai devant moi l'article de la fessée. C'est l'article 43. Et ça a été contesté, soit dit en passant, là, parce que le code, là, selon le code criminel, là, c'est tout instituteur, père ou mère ou toute personne qui remplace le père ou la mère est fondée à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. Et là, en 2004, la Cour suprême a statué que cet article-là était valide. Sauf que on a ajouté des nouvelles balises. Et voici les critères. L'usage de la force doit être raisonnable, soit une force corrective mineure de courte durée et sans danger. L'enfant doit en tirer une leçon. La correction ne doit pas résulter de l'emportement ou de la frustration du parent. Écoutez bien celle-là. L'adulte ne peut pas frapper un enfant de moins de 2 ans ou un adolescent. Adolescent, c'est 12 ans, mettons? 14. C'est 14? Oui, je pense. Entre 3 et 14, vous pouvez frapper.
Oui. Sans aucun problème. 3 à 13 inclusivement, vous pouvez frapper. C'est la Cour d'appel de l'Ontario qui avait emmené cette balise-là, confirmée par la Cour suprême. Hey, c'est-tu assez ouais. épais? Entre 3 et 14, tu peux frapper. Oui. Et là, il ne peut pas donner de gifle ou de coup à la tête. Il ne doit pas frapper un enfant avec un objet comme une règle ou une ceinture. Mais un poing, une tape, la main, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui. Tout d'abord, moi, ce que je vais... je vous demande, les auditeurs, et c'est totalement anonyme. Moi, je veux voir où on en est par rapport à l'Écosse. Okay, on va commencer bien... Juste là, même si vous n'avez pas d'enfant, tout le monde est sondé, là, OK? Si au Canada, on vous sondait, on aimerait rendre la fessée illégale. Okay? À la maison. À la maison. OK? Ça serait quoi votre position? Donc, par texto, là... Benjamin, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de faire. Là, matin, tu vas être dans le jeu. Je suis prêt. Donc, par texto au 25-226. Êtes-vous en faveur de la fessée? Oui. Si vous êtes contre la fessée, non. OK? Si, là, on le sait pas, là, il y a peut-être là, des gens bien haut placés qui écoutent l'émission puis qui serviraient peut-être de ça, la population, ce qu'elle est prête, là. Ben, ça paraît pas bien au niveau international, là. Hey, y a des pays, là, en tout cas, que je nommerais pas, qu'eux autres interdisent la fessée, puis nous autres, au Canada, pays soi-disant civilisé, on t'sais... Le plus meilleur pays au monde nous a dit Jean Chrétien. Donc, 25-226, votre genre, votre âge. Est-ce que vous êtes pour la fessée ou contre la fessée? On va commencer comme ça, bien tranquillement. J'adore. Bien tranquillement. Oui. Okay. On va y aller tranquillement, dans le calme. Exactement. Et la sérénité. Oui. Et là, Dr. Mayou, oui. Vous allez arrêter de le dire puis vous allez le faire rééditer votre livre. Oui. Oui, c'est, oui. Oui. En 2002, j'ai investi de mon argent propre 12 à 15 000 $ pour faire un petit livre, une petite brique, un petit fascicule avec une belle photo de bébé, « Pour l'amour des enfants, non au châtiment corporel ». C'était en 2002, il y a 17 ans. Je croyais qu'à l'intérieur d'une décennie, le Canada se rangerait avec empressement derrière l'interdiction, l'abolition de l'article 43 du Code criminel que tu as cité, qui protège, qui invite les parents à frapper les enfants, donc à donner des fessées. À main nue, pas avec des objets qui blessent, là. Tu sais, les grosses règles, ben, ça n'existe plus, ça. Une règle d'un pied et demi, là, qui était épaisse, qui ne cassait jamais, là. C'est les grosses règles, ça fait 5-6 bols. Et les ceintures, José, pour ceux qui n'auront pas compris, on m'a souvent rapporté que le père utilisait sa ceinture, mais il vargeait avec la boucle. La boucle de métal. Okay. Ça m'a souvent été rapporté. Souvent été rapporté dans mon bureau. OK? Ça existe. J'ai hâte de voir. Mais moi, 17 ans plus tard, écoute, j'ai vu ça. J'ai vu l'Écosse, le premier pays du Royaume-Uni, à déclarer illégal la fessée à la maison. Mais ce qui m'a bon, OK, correct. L'Écosse, c'est un pays comme nous autres. Très près de nous autres, hein? L'Écosse-Canada, là, c'est 4,30 sous et une pièce parce qu'il y a beaucoup de Canadiens qui ont des ancêtres écossais. Les Écossais aimaient beaucoup venir, puis même à Trois-Rivières. Simon Keane, est-ce que tu savais que le boxeur Simon Keane, son arrière-grand-père est arrivé d'Écosse? Ah, non. Ben oui, ben ah, oui. Les Écossais, grand-père ou arrière-grand-père, les Écossais frayaient sereinement et facilement avec les Canadiens français. Okay. Juste avant d'aller à la pause, là, dans un article de Radio-Canada, oui. On expliquait justement que la fessée était permise ici, comme on l'expliquait tantôt. Là. Oui. Et par contre, on peut dire qu'au Québec, il y a une chercheuse, là, que c'est 3 études de l'Institut de la statistique du Québec qui montrent qu'il y a quand même eu une évolution. Là. C'est que de plus en plus de gens qui désapprouvent le recours à la punition corporelle. Et elle a sorti des chiffres. Par exemple,
les enfants qui auraient subi des punitions corporelles dans l'année, c'est-à-dire tape sur la main, sur le bras, sur la jambe. Okay? Mmh. En 1999, ça représentait 47,7% des enfants. En 2004, c'était 42,9%. Et en 2012, 34,7%. Fait qu'il y aurait une diminution. Mais par contre, permettez-moi de douter de l'exactitude des chiffres. Ah oui? Moi, j'aimerais savoir... Dubitative, Mme Arsenault? Oui. J'aimerais savoir de quelle façon ça s'est fait. C'était-tu anonyme? Tu sais, tu veux bien paraître devant les autres, là. T'as-tu tapé ton enfant? Ben non. Tu sais, fait que c'est... Fait que c'est ça que j'aimerais savoir, là. La réalité, elle ressemble à quoi? Oui. Ça va être intéressant parce que lorsqu'on a préparé le sujet ce matin, tu as utilisé l'expression « sortir de ses gonds avec votre enfant ». Ça m'a vraiment... Ça, c'est une dimension nouvelle. Parce que je t'écoutais tout à l'heure dans la lecture du libellé du jugement de la Cour suprême. Oui, vous avez le droit de verger sur votre enfant, mais il ne faut pas que vous soyez en colère. C'est ça, ça ne marche pas, là. Écoute, je ris parce que c'est risible. Depuis quand tu vas frapper ton enfant lorsque tu es tout à fait de bonne humeur et en train de rire? Mais non. Alors, sortir de ses gonds, ça veut dire deux choses. Ça veut dire être exaspéré par l'enfant et réagir à l'enfant. Il faut être bien conscient que sortir de ses gonds, c'est rarement « je suis en colère, je nomme mon émotion, cher enfant ». Non, non, c'est pas sortir de tes gonds, là. Benjamin, on va te parler tout de suite avant d'aller à la pause. On va t'éviter de faire le calcul pour cette question-là, parce que je regarde, là, et c'est presque tout unanime. Oui, c'est ce que j'aurais envie de me dire aussi. Là, je comptais là, tranquillement, pas vite. Notre auditoire, ça semble être, notre auditoire très unanime. Est contre la fessée. Mais en même temps, c'est comme pas trop une surprise. Oh. Dans le sens que ça fait des années et des années que vous en parlez. Il y a des auditeurs qui écoutent l'émission qui connaissent votre point de vue aussi. Ouais. Fait que c'est sûr que sur ce sujet-là, c'est une clientèle biaisée. Là. Est-ce qu'on peut les ressonder? Bien, certains. On fait juste commencer, là. Tous ceux qui ont dit qu'ils sont contre la fessée, avez-vous donné une fessée à votre enfant dans la dernière année? Est-ce qu'on pourrait? Bien, certainement. Juste. La question est lancée. Vous me devancez, moi, j'ai une liste aujourd'hui. OK. Fait que c'est correct. Alors, à ceux qui ont écrit. Juste pour faciliter le calcul, est-ce que vous pouvez répondre oui, j'en ai donné, non, j'en ai pas donné? Juste parce que là, on a des oui, des contre, des pour, puis juste pour qu'on facilite le calcul, là. Oui. OK, parfait. Avec votre genre. Femme, homme, avez-vous donné une fessée à votre enfant dans la dernière année? Ceux qui sont contre. Uniquement ceux qui sont contre. Ceux qui sont pour, c'est évident qu'ils l'ont fait. OK. On va se parler pendant la pause. Parce que ça rétrécit notre champ, je trouve. De... Oh, excusez-moi. Non. Ben, on n'est pas obligé. C'est un... Tu sais, on brainstorm ensemble. Remue-ménage ensemble. OK. Fait que, avez-vous donné une fessée à votre enfant dans la dernière année? Oui, j'en ai donné. Non, j'en ai pas donné. OK, ben, on va aider Benjamin avec votre genre et votre... En tout cas, Doc Mayou, on a un auditoire incroyable. Vraiment. Benjamin, t'étais dans le jus, t'étais au téléphone pendant la pause, mais c'est tellement pas grave. Parce que, encore une fois, on a l'unanimité, mesdames, messieurs. Il y a personne qui nous a texté au 25226 qui a donné la fessée à son enfant au cours de la dernière année. Donc, soit qu'il y a beaucoup de menteurs ou que c'est vraiment un auditoire parfait. Un auditoire biaisé, oui, c'est possible. C'est possible qu'il y ait... Mais par contre, oui, tu sais, il oui. y en a, c'est sûr qu'à 50 ans, tu ne peux pas frapper ton enfant de 38, là. Mais on a mâle 50 ans. Donner la définition de fessée. Une tape sur les fesses n'a jamais tué personne. Reviens-en, maillet. Fait qu'il a peut-être dû en donner une coupe, lui, d'après moi. Ça m'amène, ça ouvre une porte. D'abord, j'aimerais que l'auditeur nous appelle pour nous parler de lui et de l'utilisation de la fessée. Pas ma définition, je ne l'ai pas définie. Votre définition, cher auditeur. Puis on va vous écouter. Maintenant, il y a une dimension qui est nouvelle, qui n'a pas été abordée.
Est-ce qu'un père qui donne la fessée à sa fille, c'est la même chose qu'une mère qui donne la fessée à sa fille? Est-ce qu'un père qui donne la fessée à sa fille en baissant les petites culottes, c'est la même chose que s'il la frappe sur les fesses, culotte levée? Et à l'inverse, la mère qui frappe son petit garçon avec les culottes baissées. Ça, c'est une dimension qui est nouvelle. On ne l'a pas abordée de front, celle-là, José. Et là, on pourrait peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, on évolue, là. Est-ce que ce serait intéressant d'avoir des témoignages de filles qui ont reçu la fessée de leur père, parce que l'auditeur, s'il n'appelle pas, on va l'interpeller autrement, parce qu'il n'est pas le seul. Notre auditeur, chers auditeurs, celui qui a écrit « Mâle 50 ans », puis by the way, j'ai aucun problème à ce qu'il me traite de maillet, je l'ai tellement entendu, celle-là, là. Elle est vieille, est usée. Mesdames, vous avez reçu une fessée de votre père. Culotte levée, culotte baissée. Quel impact que ça a eu sur vous? Et votre développement psycho-socio-sexuel? Moi, je le comprends maintenant, la question, parce qu'on l'a déjà abordée, mais quelqu'un qui... Je ne suis pas certaine que la personne peut faire le lien tout seul. Je m'explique ça respectueusement, là. Tu sais, prenons l'exemple, là. Autant la jeune femme qui reçoit des tapes quand elle était jeune de son père avec les culottes baissées, ou le jeune homme, parce que je sais que ça se fait ça maintenant, des jeunes hommes qui reçoivent des tapes ses fesses de la part de leur mère, bien, ils vont protéger leurs parents quand même. Fait qu'ils mettent, ils feront pas le lien. Au cours de l'émission, on va pouvoir le réexpliquer encore. Pour aider à réfléchir à ce sujet-là, mais je suis convaincue que quelqu'un qui n'écoute pas l'émission ne fera pas de lien du tout, là, sur l'impact que ça peut avoir. Au contraire, j'étais vraiment un enfant difficile. Ah, oh, j'étais vraiment tannant. Hey, je la comprends, là. Hey, elle en avait deux autres, tout ça, s'occuper. Fait qu'elle me tapait les fesses, là. Gars, j'ai réussi dans la vie quand même, là. Tu sais, c'est ça ce qu'on entend beaucoup comme discours. J'aimerais savoir, et ça, je ne le sais pas, j'aimerais savoir des jeunes femmes qui nous écoutent. Celles qui ont reçu une fessée de la part de leur père. Des jeunes femmes, pas des femmes de 50, 60 ans. 30 ans et moins. Il y en a beaucoup. Okay, 30 ans et moins, hommes et femmes. Oui. Si vous aviez reçu des tapes et fesses d'un parent du sexe opposé. Peu importe l'ampleur de la fessée. Puis pas les petites tapes sur les doigts, parce qu'ici, on peut confondre toutes sortes de signes d'exaspération parentale. Et de domination parentale. Alors, la fessée, ça s'adresse aux fesses. Peu importe l'ampleur, le nombre, la force. Mais j'ai l'impression, José, que la fessée père-fille a un impact beaucoup plus grand que la fessée mère-fils et mère-fille. Ici, c'est, oui. C'est exactement ça. On va parler avec Martin au téléphone, là, mais... Oui. C'est exactement ça. Femme 26. Oui. Mes parents étaient séparés. Les deux m'ont déjà donné des tapes sur les fesses quand j'étais petite et que je n'écoutais pas. Culotte levée, si je me souviens bien. Aucun impact négatif pour moi. Je comprends bien ce geste d'un parent un peu à bout. Quand l'enfant n'écoute pas, je ne leur en veux pas du tout. C'est exactement ça. Ouais, ça vient confirmer ton propos, hein? Qu'il y a un phénomène de déni de l'impact. Alors, chère auditrice, pourriez-vous nous appeler et nous raconter vos souvenirs de votre père qui vous frappe aux fesses et de votre mère qui vous frappe aux fesses? On va au téléphone, on va parler avec Martin. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Martin. Oui, bonjour, ça va bien? Martin. On vous écoute. Yes. Moi, dans le fond, là, j'ai 47 ans, puis... quand j'étais jeune, j'étais beaucoup mal commode, puis même tannant. Puis ma mère était très, très, très sévère. Puis j'ai eu souvent des fessées sur les fesses, assez que j'avais déjà de la misère à m'asseoir. Parce que j'étais tannant, première des choses. Puis qu'elle, c'était dans ce temps-là, c'était très, très, très sévère. Puis il faut l'écouter. Puis moi, j'écoutais pas, dans le fond.
Puis c'est ça aujourd'hui avec mon garçon. Je me suis toujours dit, c'est pas vrai qu'aujourd'hui, avec mon garçon, je vais faire subir ce que moi j'ai subi. Parce que mon garçon est tannant aussi. Là, aujourd'hui, il est rendu à 16 ans, mais j'ai jamais pris un bras par le bras, j'ai jamais donné de fessée, sauf que je sortais dehors pour aller prendre l'air. J'en ai pas de recul. Puis je rentrais. Puis il savait ce que ça voulait dire. Parce que tellement à bout que non, c'est pas vrai que je vais faire subir ça à mon enfant. Qu'est-ce que moi j'ai subi quand j'étais jeune? Bon, Martin. Je vais profiter de votre candeur pardon, pour vous demander qu'est-ce qui vous rendait si à bout chez votre fils pour que vous sortiez dehors? Et allez-y par groupe d'âge. OK. Dans le fond, à tel âge versus tel autre âge, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? OK. Avec mon garçon, c'est ça? Oui. Ben, dans le fond, quand que oui, le mettons là, mon garçon, il est dans le bout de 11-12 ans. Oui. Versus moi que j'avais une trentaine d'années aujourd'hui. Oui. Oui, il était extrêmement tannant. Il écoutait pas. C'est-à-dire, il écoutait pas, les consignes. Il ne respectait pas les consignes. C'est ça. Donnez-nous un exemple concret. Donnez-nous un exemple qui est arrivé. Il n'a pas respecté quelle consigne. OK. Dans le fond, c'est un jeune homme qui il aime beaucoup jouer à sa PlayStation, OK? Oui. Puis moi, c'est des heures respectives qu'il faut qu'il respecte. Oui. Autrement dit, à telle heure le soir, mettons vers 9 heures le soir, il faut que ça arrête. Oui. Puis pas, à 8 heures, ça arrête, mais pas, faut que je finisse ma game, puis je peux pas. Bon, c'est à 8 heures, faut que tu arrêtes. T'sais? Oui. Puis après deux, puis trois fois, j'étais obligé d'aller le revoir, puis de lui dire, Jean-Lien, si tu n'écoutes pas, je serai pas content, puis il va y avoir des conséquences. Mm. Mais il me rendait toujours à l'excès, toujours à bout de mes nerfs. On dirait qu'il était... il venait me chercher, là. Mais j'ai compris aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez compris? J'ai compris que moi, à son âge, à lui, que je faisais la même chose que qu'est-ce que lui me fait subir. Vous avez compris ça aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous a amené à comprendre ça aujourd'hui et pas à 30 ans? Je voulais de l'attention. Je recherchais de l'amour à son âge. Là. Moi, je l'ai vécu. Puis je vois que mon garçon, il est en train de me le faire vivre exactement qu'est-ce que moi j'ai fait vivre à ma mère. Mais en quel honneur que votre garçon vous fait vivre ça? Il veut de l'attention puis de l'affection. Ben, en vous provoquant. Ben, dans le fond, oui, je comprends ce que vous dites. Dans le fond, oui, je suis à la maison avec lui. Tu sais, moi, je l'ai une semaine sur deux, fait que des fois, lui, il est enfermé dans sa chambre pour jouer, puis moi, je suis dans le salon, fait que tu sais, je veux dire, j'essaie de lui donner de l'attention, mais il est toujours dans son jeu, puis ça, puis là, ben, tu sais, c'est ça qui me fait réaliser qu'aujourd'hui, c'est toujours à l'excès jusqu'à temps que je me fasse, puis quand que je parle fort, parce que moi, je donne pas de fessée, puis je prends pas le bras. Je parle fort, je lève la voix, puis il sait que c'est rendu à l'excès, puis que là, il faut qu'il arrête. Tu sais? C'est merveilleux, parce que... Vous avez insinué... que vous étiez tannant et mal commode pour obtenir l'attention de votre mère très sévère qui vous frappait parce que vous étiez mal commode. Oui. Je faisais des mauvais coups. Pour avoir son attention, c'est ça que vous dites? Vous avez insinué ça? Oui, exactement. Je faisais des mauvais coups pour attirer l'attention. Puis la bonne femme réagissait en vous frappant.
ben, elle me donnait des avertissements. Puis quand c'était... elle me donnait plus d'avertissements, ben là, elle sortait la claque, la claque de souliers, là. La quoi? Des claques, là. Ah oui, claques, là, des protège-chaussures. Oh! Oh! Des protège-chaussures, des claques, là. Oh! C'est mou. Puis c'est ça. Elle finissait par prendre ça. Puis, elle vous frappait où? Sur les fesses, oui. Est-ce qu'elle baissait vos culottes pour que ça pince plus? Non. Elle n'a jamais baissé ça, ça l'a jamais arrivé. Mais par-dessus les culottes, j'en ai eu de la misère à masser. Non, ça marche pas, Martin. C'est pas vrai que des claques par-dessus les pantalons vont provoquer une difficulté à vous asseoir. Est-ce qu'il est possible que vous soyez en train de protéger votre mère? J'ai toutes les raisons de croire qu'elle a baissé vos culottes pour que ça pince solide. Regardez, oui, une fois, oui, ça l'a arrivé. Merci, Martin. Martin, vous pouvez rire, débusquer ce cher Martin. Oui. Jamais le baisser mes culottes. J'ai eu de la misère à m'asseoir. Impossible. Pantalon avec petite culotte en dessous, c'est impossible avec une claque de faire rougir les fesses. On va se quitter là-dessus. Merci, Martin. Merci beaucoup. On est rendu à une fois. On a pris du retard, mais au retour de la pause, on a une auditrice qui nous a écrit qu'elle avait reçu la... Juste parenthèse pour confirmer ce que tu as mentionné. Le phénomène de déni, de nier ce qui est arrivé pour protéger le parent abuseur est incommensurable. Je voulais juste illustrer ça. Ouais. Et ben là, je me rappelle une fois. Non. Si on avait continué, c'est minimum 10 fois dont il se rappelait. Ben d'ailleurs, on a une mère que sa fille est à l'université, puis elle se vante de n'avoir jamais reçu de fessée dans sa vie. Puis elle, sa mère, se rappelle très bien qu'elle avait reçu toute qu'une fessée de la part de son père. Fait qu'elle dit, elle est dans le déni, ma fille. Fait que, OK. Fait que c'est pour dire. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'on a eu une auditrice tantôt qui disait avoir reçu la fessée de la part de ses deux parents qui disaient ne pas avoir d'impact. Et on lui a lancé l'invitation de nous téléphoner pour qu'on puisse aller un petit peu loin avec elle. Et c'est ce que nous allons faire au retour de la pause. Okay. Imaginez-vous donc que le Canada n'en fait pas encore partie, mais que l'Écosse vient tout juste de rendre illégale la fessée chez les enfants à la maison. On veut savoir de votre côté, bon, et de un, ce que vous en pensez. Parmi notre auditoire qui est totalement parfaite, c'est unanime que tout le monde est contre la fessée. Je ris, mais tant mieux, là, mais c'est parce que dans la rue, c'est pour ça qu'on n'entend pas pantoute, là. Et là, on va aller plus loin parce que vous amenez une dimension, Doc Mayou, qui aurait un impact différent si la fessée elle est donnée par un parent du sexe opposé. Exact. Et nous avons Jessica qui nous appelle de Trois-Rivières. C'est elle qui nous a fait texter pour dire qu'elle a reçu la fessée puis qu'elle n'en voit pas l'impact. Bonjour, Jessica. Bonjour. Oui, Jessica. Merci d'appeler. Ça fait plaisir. On vous écoute. C'est ça. En fait, moi, les souvenirs sont quand même assez flous parce que je dirais que j'étais quand même assez petite là, quand c'était arrivé. Je pense qu'il y a peut-être eu un âge où justement les parents se sont dit « bon, elle est peut-être rendue un peu trop vieille pour les taper ses fesses, là ». Je sais que les deux parents m'ont déjà donné des tapes ses fesses. De la part de mon père, je dois avouer que mon père a toujours eu un tempérament un peu plus impulsif, un peu plus... qui avait tendance à se fâcher peut-être plus rapidement. Là, j'avais pas besoin de le pousser à bout nécessairement comme je pouvais le faire avec ma mère. Mmh. Et puis, c'est ça, il était très sévère, en fait, mon père, mais je sais pas si c'est du déni, comme vous dites, mais je suis reconnaissante de ça aujourd'hui. Je me souviens pas... Attendez un peu, vous venez de dire quelque chose, vous êtes reconnaissante de ça? Ben, je suis reconnaissante du fait qu'il était sévère. T'sais, je dis pas que les tapes ses fesses, c'est une bonne méthode quand on est sévère, là, mais je suis reconnaissante du fait qu'il a été strict avec moi là, dans l'éducation, effectivement. Mais qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'avait pas été sévère, admettons? Pour de vrai, avec le caractère que j'ai, puis l'éducation de ma mère qui était beaucoup plus lousse, je suis pas sûre que j'aurais aussi bien viré dans la vie si mon père avait pas été là pour m'encadrer. Mais j'ai une question un peu spéciale, là, mais ouais? Ça, là, c'est-tu votre père qui vous a dit ça? Non, ça non, vient vraiment de vous? Pas. C'est pas votre père non, qui a dit vraiment... une chance que j'étais là parce que t'aurais mal viré? Ou... non, vraiment pas. Non, ça vient vraiment moins avec la sagesse, j'imagine.
Oui, et vous avez quel âge, Jessica? J'ai 26 ans, je suis encore jeune. J'ai encore pas mal d'affaires à apprendre. Avec enfant ou sans enfant? Un enfant par la bande, on veut. Mon copain a un petit garçon de 7 ans, donc je suis belle-maman. Est-ce que vous avez déjà frappé sur les fesses du petit garçon? Moi, non. Je me donne pas cette permission-là. Mais mon copain, ça arrive. Effectivement, c'est un peu une petite menace des fois quand l'enfant est trop... La menace et le faire, c'est deux choses. Est-ce que vous avez vu votre copain frapper son petit garçon de 7 ans sur les fesses? Oui, effectivement. C'est déjà arrivé. Culotte levée, culotte baissée? Culotte baissée, si je me souviens bien, oui. Et combien j'ai déjà vu... Combien mesure votre copain? Il n'est pas très grand, en fait. 5 à peu près. Et il pèse combien? Peut-être 150. Et qu'est-ce qu'il fait comme travail au quotidien? Il travaille dans la vente électronique. Dans la vente électronique. Vous avez mentionné quelque chose. Vous avez des souvenirs flous. Je trouve ça intéressant, ce souvenir flou. Vous avez... été frappé sur les fesses jusqu'à quel âge? Ben c'est ça. Je devais pas être super vieille, pour vrai. Je pense que c'est du moment où je suis rentrée à l'école, peut-être jusqu'à 7 ans à peu près, mais pas après ça, là, parce que là, les souvenirs deviennent vraiment plus clairs, puis j'ai pas de souvenirs là, d'actes un peu plus violents là, après avoir commencé l'école. Là, fait que... Vous êtes... Oui? Je dois avouer que à ce moment-là, quand j'étais plus petite, c'est ma mère qui m'en a reparlé par après. Autant aujourd'hui, je dis que ça n'a pas d'impact sur moi, à ce moment-là, ça me faisait plus peur. J'ai déjà dit à ma mère, tu sais, ben, papa, il me fait peur, il est pas fin quand il se fâche, mais autant qu'aujourd'hui, je me souviens pas de ça. Fait que c'était-tu un peu de l'exagération à cet âge-là? C'était pour attirer l'attention de ma mère? C'est parce que le fils de mon copain, ça a déjà arrivé aussi que, mettons, mon chum faisait juste se fâcher. Puis là, il disait « Ah non, frappe-moi pas! » Mais tu sais, dans notre tête, c'est comme « Ben là, voyons, on t'a frappé. » Ben oui, il exagère. Hein? Son garçon, vous êtes témoin de quelque chose qui va vous remettre en question. Et c'est vraiment une bénédiction, ça. C'est vraiment une bénédiction. Comment vous avez réagi lorsque vous avez vu votre copain frapper son fils de 7 ans? Ben, honnêtement, j'ai trouvé ça comme normal. Peut-être parce que je suis passée par là, justement, tu sais, ça m'a pas choqué, ça m'a pas... Jessica, il est arrivé une mauvaise nouvelle d'Écosse la semaine dernière. L'Écosse interdit la fessée. OK. Vous pensez quoi que ce soit interdit par la loi? Comme nous autres au Canada, si le Canada interdisait les fessées, qu'est-ce que vous diriez de ça? Ben, je pense que c'est un petit peu de la régie interne, puis que la loi n'a pas nécessairement à se mêler de ça, à mon avis, à moi, là. C'est très personnel, mais... puis, tu sais, encore là, c'est ça, là, on parle de cesser de petites tapes sur les fesses, là, d'enfant qui est trop tannant, là. Tu sais, on parle pas de battre son enfant, là. Ça, je suis... mon opinion n'est pas la même, là. Frapper sur les fesses. Ben, frapper sur les fesses, moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est un petit peu la discrétion du parent rendu là, puis... Je pense pas que la loi devrait se mêler de ça. Oui, c'est ça. Vous faites partie de la mouvance majoritaire. Je soupçonne au Canada que la majorité des Canadiens pensent comme vous, Jessica. Vous n'avez que 26 ans. Et frapper un enfant, c'est de la régie interne, n'est-ce pas? C'est ça. Frapper, c'est un gros mot, là. J'aime pas ça, mais... Regardez, on va s'entendre, là. Vous avez été témoin de quelque chose. Est-ce que votre copain a frappé son fils, oui ou non? Oui. Il a donné une tape sur ses fesses, oui. Il a flatté ses fesses, n'est-ce pas, Jessica? Non. C'était une tape, là. C'est une claque. Est-ce que, à votre connaissance, la tape a laissé une marque de doigt? Je pense pas. OK. Parce que, tu sais, c'est pas... Il y avait pas de la misère à s'asseoir après puis à pleurer pendant des heures parce qu'il avait mal, là. Tu sais, c'est vraiment plus... pour saisir un peu, là. Oui, pour saisir. Pour dire comme, gars, là, je suis fâché, écoute, là. Oui. C'est plus est-ce que vous m'avez devancé? Est-ce que votre copain était fâché? Oui. Quand ça fait plusieurs fois qu'on répète puis que ça rouspète encore, là, c'est ça. Est-ce que votre copain était très fâché?
Ben, pas très fâchée. Dans le sens que c'était... Je pense qu'à la différence de... là, je vais revenir à moi, mais tu sais, mon père, je pense qu'il pouvait avoir le déclencheur plus rapide, qui devenait très fâché plus rapidement, puis que c'était une réponse qui était très, très impulsive, tandis que mon copain, ça a l'air d'être plus réfléchi. Parce qu'il y a une menace avant. Oui, vous avez 22 ans. Évidemment, vous êtes reconnaissante à votre père d'avoir agi comme il a agi, n'est-ce pas? C'est ce que vous nous avez dit. Oui, 26. Ouais, il a bougrement bien fait, puis faute de ça, vous auriez mal viré. Non, je parle pas des tapes en tant que telles. Il aurait pu avoir la même éducation, beaucoup plus stricte, puis tout ça sans les tapes, ça, je suis d'accord. Là. Ouais. Okay. C'est pas clair, hein, Jessica? Merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice. Et je pense que vous faites partie de la mouvance majoritaire canadienne. Exactement comme en Écosse, 57 % de la population écossaise se réclame du droit de frapper, comme votre copain, les tout-petits. Merci, Jessica. Merci. C'est de la... Elle a 26 ans. C'est de la régie interne. Le gouvernement n'a pas à se mêler de ça. Tu vois, une femme, elle dit « Je suis pas certaine d'être capable de faire le lien. Vers l'âge de 10 ans, mon père m'a donné une tape sur les fesses par-dessus mon pyjama. Je me souviens qu'il était très en colère. Ça m'avait fait mal. Pour ce qui est de ma vie sexuelle, j'ai été très précoce. J'ai commencé à être active sexuellement à 12 ans. Je n'ai aucune idée si cela a un lien. » Si je vous disais que les fesses sont aussi, chez la femme, une zone érogène, est-ce que ça vous dirait quelque chose? Si je vous disais que flatter les fesses d'une femme peut vraiment avoir un effet agréable chez elle, si l'endroit n'a pas été contaminé par de la douleur, imposé par un papa d'amour... Qui fait ça pour son bien. Et oui... est reconnaissante. Il était très sévère, mais c'est la raison pour laquelle je vous ai si bien viré. On va aller à la pause. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique pour nous en parler. Même s'il y en a qui veulent en jaser candidement, là, parce qu'il y en a qui... Il y en a une, je le dis de mémoire. Elle dit, je suis contre la fessée. Je l'ai reçue quand j'étais jeune, sauf que je ne sais pas quoi faire. Quand ça monte en moi l'idée de vouloir donner une claque sur les fesses à mon enfant, je ne sais pas quoi faire. Appelez-nous. Jusqu'à 11 h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bon, là... C'est spécial ce qu'on est en train de lire. Et c'est suite à l'appel de notre auditrice Jessica qui est reconnaissante envers son père d'avoir été sévère. Et très sévère, oui, a-t-elle dit. Exact. Très. C'est une... Donc, Jessica, 26 ans. Oui. Homme, 25 ans. Oui. J'ai reçu des fessées de cuillère en bois de ma mère lorsque j'étais jeune. Je ne me souviens plus des pantalons, mais elles me semblent levées. Tout comme mes deux sœurs, je dirais que ça m'a fait du bien à l'époque parce que j'étais un petit anant. J'ai même été à genoux dans un coin pendant 2 jours parce que je m'étais battue à l'école et que j'avais été renvoyée en 5e année. J'avais du potentiel pour finir tout croche. Et sans ça, je ne serais probablement pas un technicien en génie mécanique à 100 000 $ par année. Sans cette discipline sévère, j'irais même jusqu'à la remercier. Oui. Bon, là maintenant, là, j'ai une question spring. Là, cette fois-là, vous devriez faire travailler Benjamin un peu. Il ne faut pas que ce soit unanime. Là. Mais c'est à vous de décider, là. C'est votre opinion. Est-ce que vous êtes reconnaissant envers vos parents qui ont été extrêmement sévères avec vous? Pensez-vous que vous auriez pris un chemin différent? Parce que lui, homme 25 ans, qui a passé 2 jours dans un coin, est très reconnaissant. Il va même jusqu'à remercier sa mère d'avoir fait ça. Parce que sans ça, il n'y aurait pas une job à 100 000. S'il n'y avait pas eu cette punition-là, puis s'il n'y avait pas eu table avec des cuillères de bois. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous reconnaissant envers vos parents?
On continue au téléphone pendant ce temps-là ou avec vous voulez commenter? Non, j'attends impatiemment la réponse de nos auditeurs parce que je veux comprendre qu'est-ce qui se passe dans la population écossaise qui nous ressemble beaucoup sur le plan génétique. C'est un peuple qui a des traditions, puis il y a toute une histoire qui nous ressemble et qui se croise facilement sur le plan conjugal avec les Canadiens français. Et encore, homme 49. Oui. Je lui ai déjà dit que j'étais très reconnaissant de son éducation à mon égard, sinon je ne serais pas devenu ce que je suis devenu aujourd'hui, technicien en génie civil. Très bon job. Écoute, hey, me demande bien ce que je serais devenu, moi, si j'avais eu la fessée, tabarouette. Je pense à ça, là. J'ai-tu manqué ma carrière, moi, là? J'aurais-tu dû recevoir des tapes ses fesses? Ouais. 57 % de la population écossaise se réclamait du droit de frapper, de donner la fessée aux enfants. Pas de les frapper, donner la fessée sur les fesses. Alors que le Parlement, 2/3 des députés ont dit non. Vous arrêtez ça, c'est interdit maintenant. Il va se passer quoi, José? Il va se passer quoi pour tous ces citoyens canadiens français qui sont reconnaissants envers leur mère, envers leur père de les avoir frappés, si jamais on interdit la fessée au Canada? Il va arriver quoi? Ça va pas bien, là. Extrêmement reconnaissante que ma mère ait été sévère avec moi, je ne serais pas où je suis en ce moment si elle ne l'avait pas été et aussi stricte sur les gens que je fréquentais. Il s'agit d'une femme de 22 ans ici qui parle. On va aller au téléphone. On va parler avec Geneviève. Benjamin. Benjamin est dans le jus, là. Bonjour, Geneviève. Bonjour. Geneviève. En fait, moi, j'ai eu la fessée quand j'étais très jeune, autour de 6 ans. Je me souviens très bien de l'événement, je me souviens de l'environnement, je me souviens de tout. Et c'est mon père qui me l'a donné. Les culottes baissées. Et je me souviens pas qu'il m'en ait donné d'autres, mais je me souviens que celle-là, elle a été... je pense qu'il m'en a donné pour 10 ans, là. J'avais les fesses tellement mauves qui étaient quasiment virées au noir. Et puis, je pense que j'étais mauve du bas du dos aller jusqu'au haut des cuisses. Ouais. Puis ça, c'était suite à ce que un petit voisin avait été dire à mes parents... qui m'avait vu avec un autre petit voisin. Puis on baissait nos pantalons pour montrer nos organes, on comparait. C'est suite à ça que mon père m'a ramassé puis il m'a donné une fessée incroyable. Je vous le dis, je m'en souviens encore, là, c'est imprégné dans ma mémoire. Là. Puis ma mère dans le corridor qui regardait un peu sur le coin de la porte, qui avait l'air un peu désemparée, mais qui faisait rien. Bon. Allez-y. M'excuse. Est-ce que l'événement rapporté par le petit voisin était vrai? Est-ce que vous aviez baissé, étiez montré vos heures? Ça, c'était vrai. Oui. Okay. Oui, c'était vrai. Là, vous avez quel âge, Geneviève? Vous avez quel âge, Geneviève? Là, j'ai 45. 45 ans. Et par la suite, mon père a été violent physiquement avec moi. J'ai une relation assez, on va dire, tendue avec lui. C'est un homme qui était violent physiquement et verbalement, mais avec moi plus, parce que je pense que je me défendais plus que mon frère. Ma mère ne nous défendait pas du tout. Mais quand ma mère a quitté mon père a eu des comportements à tendance un peu incestueuse avec moi. Fallait jamais que je ferme la porte de ma chambre. J'étais dans ma douche, il venait me dire qu'une telle amie m'avait appelé, ouvrait le rideau de la douche au lieu d'attendre que je sois sortie. Je l'ai déjà vu m'espionner à travers les miroirs de la salle de bain. Jusqu'à quel âge, Geneviève, votre père, vous a regardé. Jusqu'à quel âge, votre papa chéri vous a regardé dans la douche? J'étais adolescente. C'était autour des 15, 16.
Quand ma mère a quitté, j'avais 17. Il faut dire que de me regarder dans la douche, de regarder par le miroir, de garder ma porte ouverte, ça a été début de l'adolescence. Ça s'est poursuivi par la suite. Mais quand ma mère a quitté, j'avais 17 ans. Et là, ça a été plus corsé. Là. Mettons, il venait d'avoir une relation sexuelle avec sa copine, puis j'avais fait présumément quelque chose de pas correct. Il pouvait rentrer dans ma chambre quasiment encore en érection tout nu là, pour me ramasser dans le mur ou quelque chose du genre. Là. C'était tordu, là. Mais plus jeune, c'était au début de l'adolescence. Là, qui, oui, dans quel coin de la province ça se passe, Geneviève? C'était dans le coin, dans la municipalité de Québec. Ouais. Dans la municipalité de Québec. Ouais. Il m'avait même acheté, j'avais peut-être plus 14 ans, 15 ans. Il m'avait acheté, il est allé en voyage, il m'avait acheté un bikini. Puis il me demandait tout le temps de le porter. Et tu sais, un genre de bikini là, qui était tenu par des cordons spaghettis. Là. Fait que je me suis demandé à un moment donné, en vieillissant évidemment, si toute cette violence-là n'est pas du fait que... comment je pourrais dire, donc? Il aurait voulu me posséder, entre guillemets, mais il pouvait pas. Puis rendu à 17 ans, ben peut-être que là, il s'est réessayé, mais là, je t'ai rendu plus âgé, là, puis je me défendais, là. Puis j'avais un autre tempérament, j'ai l'impression qu'il aurait peut-être qu'il aurait passé à l'acte. Mais moi, je pense à cette fessée-là, puis là, quand je vous écoutais, je faisais comme un peu le calcul dans ma tête, là, je faisais un peu la rétrospective, puis je me suis dit, c'était révélateur. Ça a commencé tôt. Ça n'a jamais vraiment arrêté, dans le fond. Ça a juste pris une forme différente, on dirait, mais... Il est très clair. Pour moi, c'est... Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est l'analyse que j'en ai fait. Là. Et qu'est-ce que... Je ne peux rien penser des faits objectifs. Vous les avez décrits. Mm. Maintenant, pour ce qui est de la motivation de votre père, écoutez, vous l'avez clairement vécu. Oui. Ce ne sont pas des hypothèses. Non, je comprends. On va pas que vous avez été concrète, vous avez très bien décrit le phénomène de la convoitise sexuelle d'un père envers sa fille et du niveau de frustration que ça peut engendrer et dégénérer en violence. On va se quitter là-dessus, Geneviève. Vous parliez aussi, juste un instant, vous parliez de l'attitude sexuelle par la suite. Moi, je suis devenue très prude par après. Je ne sais pas si ça a un lien. Définitivement. Puis, moi, je suis contre la fessée, soit dit en passant, puis j'ai jamais fessé mes enfants. Mais je me suis rendu compte que j'étais très prude, très longtemps. Ça prenait des mois, des fois, avant que... Si j'avais un chum, avant qu'il se passe quelque chose. Là. Excellent. Peut-être... Merci, pardon? Geneviève, d'en avoir témoigné. On va aller à la pause, continuer de répondre à notre question où on en est rendu dans l'émission. Est-ce que vous êtes reconnaissant envers votre père ou votre mère d'avoir été très sévère? Est-ce que vous croyez que c'est grâce à ça, à cette façon de vous éduquer, que vous êtes là où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes reconnaissant envers vos parents d'avoir été très sévère envers vous? Pensez-vous que c'est grâce à eux que vous avez réussi dans la vie? On va au téléphone, on va parler avec Ouzmi qui nous appelle de Gatineau. Bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous? Oui, on vous écoute. Bien. Moi, je parlerais comparé à mes espérances. Moi, je suis plus pour les fessées. Je m'explique, je veux dire par là des fessées raisonnables parce que quand moi j'étais jeune, je me rappelle que j'étais un peu, ce n'était même pas un peu, j'étais très turbulent. Et c'était ma mère qui devait jouer le rôle du papa et du maman aussi. Donc, on est au nombre des 6 dans la famille. Et parmi les 6, je me rappelle très bien qu'on était juste des qui avaient reçu quelques corrections. Ben, moi, j'en ai reçu plus que les autres, mais c'était pas plus des fessées, mais ma maman avait des bases très strictes et que nous devrons suivre. Qu'est-ce qu'elle utilisait pour vous frapper, Oudimi? Oh, des fois, elle me tapait avec ses chaussures ou des fois, c'était des pieds au mur ou des pleurs. Pardon? Donc, des pieds au mur. Des pieds au mur? Oui, c'est une façon, tu gardes ta main, comme on appelle au sol, tu mets ton pied au mur. Et face au mur, c'est ça? Face au mur, c'est ça? Collé, face au mur?
Non, c'est juste que tu avais les deux bras à terre et puis tu soulevais ton pied que tu déposais au-dessus du mur pendant une ou deux minutes comme ça. OK. Donc, je me rappelle, j'avais mes fréquentations n'étaient pas très, très correctes parce que avec toutes mes fréquentations, quand je revois et comment ils sont actuellement et comment moi je suis venu, je vois que vraiment j'ai avancé comparé à l'éducation que j'ai reçue de la maman. Moi, j'ai une fille parce que de nos jours, je vois que les gens sont plus frustrés et, comment on appelle, stressés. Oui, laissez faire les gens, Soudimi, c'est vous. Vous alliez nous parler de votre fille. OK. Moi, ma fille, en tant que telle, je ne la donne pas de fessée. En tout cas, jusqu'au moment où je suis, pour le moment, je ne la donne pas de fessée parce que je sais. Quel âge a-t-elle? Elle a à peu près 2 ans. Deux ans ou 10 ans? Non, 2 ans. 2? 10. Oui. Parce que... 10 ans, hein? Oui, 10 ans? Non, 2. Okay. Deux. Bon. Ben oui, ben là, de 2 ans. Oussimi, je vous souhaite de ne pas la frapper à 2 ans, parce que c'est illégal, c'est criminel au Canada, là. Est-ce que vous saviez ça? Oui, je sais tout ça. C'est juste que je vais faire comprendre que, par exemple, je sais qu'elle est très turbulente et je sais que si elle fait ses caprices, je sais comment la faire et comprendre raison, parce que je sais... Comment vous allez vous y prendre si elle fait selon ses caprices? Elle, je sais ce qu'elle aime le plus, c'est que quand elle commence à faire ses caprices, je prends la tablette, je mets Dave et Eve, et direct, elle est calme. Comment? J'ai pas compris. Mais vous utilisez la tablette pour la calmer. La tablette, il y a un jeu qui est dedans qui s'appelle Dave et Eve. Je sais pas si vous le connaissez, c'est... Oui. Ah, okay. Donc, quand je mets ça... Oui. Oui. Ah bon. Ça quand... me calme. Oui. Oussimi? Oussimi. Oussimi. Oui. Ouzmi. Oui, je vous écoute. Oui. Ouzmi. Votre mère a eu 6 enfants. Oui. De combien de pères? D'un seul père. Ah, ouais. Oui. Eh bien, vous avez mentionné que votre mère jouait le rôle du père. J'ai présumé que le bonhomme n'était pas là? Ben, si, il était là, il travaillait aux Nations Unies, donc lui, il était plus dans les voyages. Donc, oui. Donc, il était l'émissaire. Il était émissaire de quel pays? Ben, au début, il était au Genève. Après, Suisse, ben, il voyageait beaucoup. Non, pour émissaire de quel pays? Ambassadeur de quel pays? Non, il n'était pas ambassadeur. J'ai dit, il travaillait aux Nations Unies. Il était consultant international. OK, bon. Vous êtes né dans quel pays? Moi, je suis né au Mali. Vous êtes né au Mali? Oui. Ouais. Donc, je suis né au Mali et comme je le disais, moi, je ne suivais pas les règles correctement comme c'était. Ben oui. Écoutez, vous aviez besoin là, de que votre mère prenne ses chaussures, ses godasses, puis qu'elle vous frappe avec ça. Voyons. Autrement, vous auriez tourné comment, Ousmi? Ben, sincèrement parlé, si elle ne le faisait pas, je pense que j'aurais même pas terminé mon école. Ben j'aurais oui. été dans la rue. Ben et... ben oui. Mais juste pour le... Ben j'aimerais juste, en terminant, là, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi vous pensez qu'à cause d'avoir été frappé, vous avez fini votre école? Ben parce que les gens que je fréquentais, mes collègues que je fréquentais et avec qui je sortais tout le temps, tous les soirs et que je ne rentrais pas à la maison, aucun d'entre eux n'a terminé l'école et aucun d'entre eux n'avait comment on appelle, une éducation stricte comme moi je l'avais à la maison. Ben oui. C'est ça qui m'a fait comprendre ça. Ben oui. OK, on va se quitter là-dessus, Ousmi. Merci beaucoup de votre appel. Moi. C'est très convaincant. Merci. Alors, écoute, il faut faire ses enfants pour les ramener dans le droit chemin, José. Si on ne les fasse pas, ils vont se laisser entraîner sur des voies secondaires d'ignorants et de non-performants. Mais premièrement, c'est dur de se comparer avec quelqu'un d'autre, avec qui tu tiens quand tu es jeune. Là. Premièrement, tu n'as pas la même génétique, tu n'as pas, ben, tu sais, le même quotient intellectuel, t'as pas la même stamina, t'as pas... C'est pas parce que moi, je suis certaine que tu peux avoir 2 enfants qui ont jamais été frappés dans la vie, qui se tenaient ensemble puis qui ont pas viré pareil non plus, là. C'est ça. C'est une espèce de pensée naïve du développement de l'être humain.
Boy. Et ça, 9 femmes 31, elle dit, oui. Comment l'auditeur peut juste... Mon conjoint, comme l'auditeur, mon conjoint justifie l'agressivité de sa mère envers ses enfants car elle était monoparentale. J'étais monoparentale et ça ne justifie en rien une attitude écrasante envers les enfants. On ne remplace pas un père absent par l'absence d'amour maternel. Oh! Hypothèse. C'est intéressant. Intéressant, hein? Oui. J'aime ça. Mais... Ce n'est pas, ça ne fait pas partie du flux prioritaire de la pensée collective. En passant, les fessées n'amènent pas le cégep puis l'université. Là. T'sais, on a une femme de 40 ans, elle dit « J'ai mangé des volées par ma mère et j'ai même pas fini mon cégep. » Ça fait que... On dirait que c'est 1+1, là. On dirait que c'est plus que tu t'es fessé, là, tu as plus de chances d'aller à l'université pour au cégep puis de gagner de l'argent plus tard. Ben, c'est ce que deux auditeurs nous ont convaincu, deux techniciens qui font 100 000. C'est parce qu'ils ont été frappés. Ils sont très reconnaissants que la bonne femme les a frappés. Ça leur fait gagner 100 000 par année. Merci, chère auditrice, de le dire. Il y a une naïveté de connaissance de l'être humain. Là, c'est... Écoute, 57 % de la collectivité écossaise voulait continuer à avoir le droit de frapper les enfants, donner la fessée à la maison. C'est pas sans raison. Il y a une naïveté collective. Ben oui, puis on écoute les témoignages. Écoute, c'est la mouvance, là. C'est la pensée majoritaire. On va le savoir, Benjamin, il y a les statistiques à savoir si c'est la majorité qui pense que c'est grâce à leurs parents qui ont été très sévères qu'ils ont réussi dans la vie. Chez les hommes, 27 % sont reconnaissants, alors que chez les femmes, c'est seulement 12 %. Donc, les hommes semblent être un peu plus reconnaissants envers l'autorité de leurs parents / la fessée que les femmes. Merci. José? Ton humble collègue t'avait prévenu de quelque chose. Le père qui donne la fessée à sa fille, ça n'a pas le même impact que la mère qui donne la fessée à sa fille. Et quelque chose là. Les filles qui ont eu des fessées, seulement 12 % sont reconnaissantes de ça. Dans notre auditoire, ça marche. Et ouh! Ouh! Et... 2 fois moins de garçons touchés par la fessée que chez les filles. On ne frappe pas les fillettes, les amis. Mayu a toujours dit qu'elles étaient beaucoup plus sensibles à la violence que les garçons. On va aller à la pause, là, mais juste avant, là, femme 31. Oui. Adolescente, je traînais avec les pires racailles du quartier et j'ai consommé beaucoup de drogue. J'ai un jour décidé d'arrêter tout ça et je suis retournée chez ma mère aimante qui ne m'a jamais frappée. Je ne suis pas revenue et pris le droit chemin parce qu'elle me frappait. Moi, ma question, ça serait par contre, avec une mère aimante, pourquoi vous avez eu le besoin d'aller courir? J'arrête cet intérêt-là de connaître ça. Il faudrait voir ce que le père a fait. Aussi. On a eu Geneviève tout à l'heure qui nous a décrit le comportement de papa chéri. Oui, on va aller à la pause. Alors, nous sommes de retour aujourd'hui dans cette émission où on a appris que l'Écosse n'a pas suivi l'opinion publique. 57 % de la population est en faveur de la fessée à la maison, alors qu'au gouvernement, le 2/3 des élus ont voté contre la fessée. Et là, maintenant, c'est illégal en Écosse. C'est vraiment... C'est... Oui. Et on a une auditrice qui nous a fourni un élément de réponse pour expliquer ce phénomène-là, Jessica, 26 ans seulement, qui nous a dit que pour elle, la fessée à la maison, c'était de la régie interne, que le gouvernement n'avait pas d'affaires là-dedans. Le gouvernement écossais a jugé, contraire à la population, qu'il avait d'affaires là-dedans. C'est ça. On va aller au téléphone, on s'en va en Estrie, on va parler avec Vicky. Bonjour. Bonjour, bon matin. Vicky. Oui, j'appelle parce que ça me frustre d'entendre le fait de frapper les enfants que c'est pas grave. Pour l'avoir vécu étant jeune, je peux même pas croire que les mères, que les pères font ça à leurs progéniteurs. Ils sont où, leur cerveau? Ça me choque, là. Fait que j'appelais pour ça, pour dire que ça a pas de bon sens, leur affaire, là. Ça n'a pas de bon sens. Le gouvernement écossais a voté contre la pensée majoritaire de la population. C'est pas sans raison. Là. Vous n'êtes pas la seule, Vicky. Là. Ça n'a pas de maudit bon sens.
Écoutez, de la régie interne, le gouvernement n'a pas d'affaires là-dedans, la fessée. Aïe aïe! La violence faite aux enfants, la violence faite aux adultes, ça, le gouvernement, l'État a quelque chose à voir avec ça, hein, a d'affaires là-dedans. Mais non, la violence aux enfants, ça, le gouvernement n'a pas d'affaires là-dedans. Mais ça n'a aucun, aucun sens. Aucun sens. Puis, pour vrai, ce monde-là, sont où leur cerveau? Comment tu peux dire j'ai été battu? Puis comment tu peux dire que c'est ça qui t'a emmené où que t'es aujourd'hui? C'est de la bullshit, là. Oublie ça, là. Tu peux pas avoir mangé des volets, avoir été à genoux, avoir été enfermé dans ta chambre, puis après ça, dire « Ah oui, c'est grâce à ça que je suis devenue qu'est-ce que je suis aujourd'hui. » Non, non. Non. Ils ont pogné ça où? On vous écoute. J'ai aucune réponse intelligente à ça. Ils ont pogné ça où? De dire que c'est grâce à ça. Moi, je suis partie avec ma génitrice, j'avais 13 ans. Puis moi, j'aurais tendance à dire l'inverse. Si j'aurais resté là-dedans dans le fait qu'elle nous battait, le fait que son amant nous battait, le fait qu'elle regardait nous battre, le fait d'avoir été enfermée dans notre chambre la nuit, tout ça, si j'aurais tendance à dire l'inverse. Si j'aurais resté là-dedans, si j'aurais jamais sorti de ça. Attendez un peu, vous avez quel âge? Là, présentement, j'ai 30 ans. C'est récent encore. Vicky, vous venez de dire quelque chose. C'est quoi l'affaire d'enfermer dans ma chambre la nuit? On avait des crochets sur nos portes de chambre. On ne pouvait pas sortir. Si on avait besoin d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit, fallait crier, dire qu'on avait envie pour qu'ils viennent enlever le crochet. Jusqu'à quel âge le crochet sur votre porte? Jusqu'à temps que nous, on parte, que moi puis ma soeur, on décide d'aller vivre avec notre père. Fait que moi, je suis partie, j'avais 13 ans, puis elle avait 15 ans. On a tout le temps eu le crochet. Et qui mettait le crochet le soir? La génitrice, puis si la main il était là, il y avait la main aussi. Là. Ça se passe dans quel coin de la tribu, ça? Quand ça s'était arrivé, j'étais à Drummond. Moi qui cite régulièrement Drummondville pour sa réussite économique. Ouais, ça donne pas l'intelligence aux gens. Fait que, d'avoir vécu ça, je peux pas dire que ça m'a aidé, puis je vais faire ça avec ma fille. Vicky, pourquoi le crochet sur la porte? Pourquoi enfermer vous et votre sœur, 13 ans, 15 ans, avec un crochet? Pourquoi vous enfermez? Moi, la manière que je vois ça, je l'ai jamais demandé, mais c'est probablement parce qu'il voulait faire du sexe puis qu'il voulait pas se faire déranger ou qu'il voulait avoir la paix ou qu'il voulait nous contrôler. Là. Qui avait installé le crochet sur la porte, à votre connaissance? Ah, ça, je m'en rappelle plus. Rappelle plus si c'est la génitrice ou l'amant de la génitrice. Là. Je m'en rappelle plus de ça. Hey, merci beaucoup, Vicky. Merci à vous. José, c'est... Ça vient d'où, ça? Pensez-vous qu'un enfant qui subit la fessée aura une confiance accrue pour affronter la vie avec confiance? Attends un petit peu, là. Là, tu me déroutes, là. Parfois, c'est... Pensez-vous qu'un enfant qui a subi la fessée aura une confiance accrue pour affronter la vie avec confiance? Ça, c'est comme si ça donnerait plus de confiance à l'enfant. C'est une affirmation ou une question? Une question. Mais c'est une affirmation dans la question, selon moi. Qui pense à ça? On m'a frappé mon enfant, ça va lui donner confiance en lui plus tard. Mais là, Vicky, elle a raison d'être inquiète, là. Aïe aïe! Comme dit Vicky, il est où le cerveau? Là, il y a plusieurs personnes qui demandent de faire la différence entre la claque ses fesses puis de frapper durement un enfant. C'est comme si les gens banalisaient vraiment beaucoup la tape ses fesses. Il y a toute une différence. Ouais, une claque j'ai fesses, puis la fessée, il y a toute une différence. Elle est énorme. Vous aurez compris que je suis sarcastique. Ah non, non, on n'est pas rendu... Écoute. Fendre les poêles en quatre. On doit se quitter là-dessus. Aïe, aïe! Benjamin, merci. Merci à vous, les auditeurs. À demain, José. À demain. Bye. We'll be right back.
soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mailloux et José. Avec Doc Mailloux et José Arsenault.